Madame Marie-Michel Verrier, que m'a fait plaisir pour me passer la parole pour être capable d'exposer la conférence de presse venez jeudi. Bonsoir. Conférence de presse jeudi a présenté sous plusieurs points. Nous avons stupéfiants, kidnapping, saisie d'armes et munitions et avis de recherche qui lance. Mais avant de commencer, nous avons un petit temps pour nous lancer un message à la population. Pour nous faire connaître que la sécurité, ce n'est pas affaire de la police seulement. C'est affaire de nous toutes. Tout le monde dans la société a fait pour intégrer dans sa capacité. Nous, chaque rapport, pas nous pour nos police. Et sans contribution, la population travaille là à difficile. Nous demandons, nous, les nouvelles informations, pas hésiter, partager avec la police. Et la police lui-même a fait ça qui n'a pas pouvoir lui pour lui faire une solution. Pour nous commencer, pour stupéfiant, par rapport à l'information que la police est arrivée joindre et en collaboration avec la justice, dans celui du Sud, il y a une importante saisie de 33,385 kg de paille assimilée à marijuana que la police est arrivée saisie. Ça a été fait avec collaboration population. Pour ça qui est pour avec ça kidnapping qui a fait rage pour qu'on y a. Sans apport nous toutes, nous pas capables. Nous besoin d'apport toute population. On nous coller ensemble pour nous faire une solution. Parce que nous toutes victimes. Information qui est arrivée joindre la police dans le nord-ouest, qui veut permettre la police dans le nord-ouest mettez plusieurs personnes dehors en bas de séquestration. Vous avez gagné 3 personnes qui ont été séquestrées et qui ont été réclamées en pile l'argent pour être libérées. Par rapport à l'information, la police joint, vous êtes intervenu. Vous avez Rosier Milouz qui a été libéré, Calister Mthio et Ebens Jean. 3 personnes qui ont été libérées en libération. Ravisseur, Jean-Moi Dinois. Il a demandé $200,000 américains pour Milouz, 40 000 pour chaque autre monde. Pendant la libération, otage, il a gagné 11 âmes qui sont arrivées saisies. Une arrestation qui est arrivée faite, c'était une dame qui a pu manger pour les gens qui étaient dans les ravisseurs. Dame Salirele Funa John. Et pendant l'échange, la police a gagné avec. Bandio, les trois ladeurs ont été blessés. Malheureusement, ils ont été pris la fuite. Mais la police a cherché activement. Toujours dans ça qui vient pour eux avec le dossier kidnappé. DCPJ procédé à l'interpellation Alphonse Emmanuel pour enlèvement et séquestration contre rançon. N'a pas rappelé, M. Sali même, c'était prof Frélie, il était arrangé là avec l'autre monde fait kidnapper. Et ça a été fait dans la date 12 novembre 2020. Victime n'a été arrivée libérée sous rançon. Mais ça n'a pas fait que la police n'a même pas continué le travail. Les CPJ ont continué à mener l'enquête là. Et ils ont arrivé à établir l'implication Emmanuel Alphonse, qui est frère victime, là, dans ça qui était passé là. Et les CPJ vivaient procéder avec l'arrestation. Nous gagnons ces examens qui sont arrivés faites. C'est BLTS dans l'opération conjointe avec APN Nord qui est arrivé fait saisir ça dans la date 11 mars 2021. Nous avons rappelé que Mounsa, que la police est arrivée arrêter, qui c'est Droge Benjamin, était déjà arrêté. Peu de temps après, même Droge, Benjamin ça, vient de douaner en conteneur. Dans le premier conteneur, il y a des jeunes âmes là-dedans. Dans le conteneur, ça, il vient de douaner, il y a des jeunes âmes. Et 7850 cartouches. Toujours pour les gens qui ont fait trafic d'armes et munitions. Nous avons William Ménard qui est arrivé à joindre l'interpellation par le DCPJ. Et William Menard, qui s'alitait là pour le faire, s'est alimenté gang village en munitions.
et je t'ai procédé à l'arrestation avec un pile munitions la même. DCPJ t'a déféré encore. Maslin Saint-Fort. Ensemble avec petit garçon et quatre autres bandits. Gayoun parmi bandits ça yo, c'est Renal Joseph qui est réputé un gros chef de gang. C'était le 5 novembre 2018, mon sa yo t'est allé dans parquet quoi des boucles. Même jour, petit garçon Maslin Saint-Fort qui c'est Marc Saint-Fort et joué une libération. Une semaine après, Maslin Saint-Fort joue une libération. Et chef d'accusation, je t'ai arrêté, mon saïe, c'est enlèvement contre rançon, viol, détention d'armes et usurpation de titre, puisque Maslin Saint-Fort tape marché avec un badge, fait comprendre de ses policiers. Le 14 janvier 2020, il y a un mandat qui vient décerner contre Maslin Saint-Fort ensemble avec Petit Li Marcus Saint-Fort. Le 18 mars 2021, Maslin Saint-Fort se joint à l'arrestation dans Cap Haïtien pour usage de faux, usurpation de titre et association de malfaiteurs. En possession lié au jeune badge, qu'on y a été substitué commissaire du gouvernement. N'a pas fait connaître que Maslin a joint avec yon machine, qui c'est un minibus Nissan Caravane de couleur gris. Numéro plaque là, c'est AA52491. Machine ça, a joint Maslin Saint-Fort avec papier li normal nan men que machine enregistré sous nom, tout bagay sous nom Maslin Saint-Fort. Mais le DCPJ lui-même a vérifié information qui sous papier ça, li joine plaque là qui c'est AA52491 enregistré sur l'autre nom et sur l'autre véhicule et machine ça yo joine à Bolia qui c'est Nissan minibus là yo joine sur l'autre nom et on l'autre plaque. Imaginez nous si tout le monde va impliquer dans le travail qu'a fait là, est-ce que c'est pas la vie messieurs? Tout le monde obligé collaborer parce que nous pas qu'à bail l'autre monde côté pour passer. C'est pour nous bloquer et permettre la police de travailler. Parce que la police là, la travaille pour nous. Si nous-mêmes, nous ne pas collaborer, nous ne pas cacher de solution. Il y a plusieurs avis de recherche qui lancent. Il y a un avis de recherche, c'est sous gang. Il y a l'autre, c'est sous fantôme 509. Il y a l'autre avis de recherche, c'est sous évadé, prison, quoi des bouquets. Pour évader prison quoi des bouquets, la police a cherché activement. Il y a plusieurs là, sous table là, nous sommes capables. C'est monde qui est très puissant, qui a fait un pile de dégâts dans la société. Là. Mais nous mettons là, nous sommes capables après ça, après plus de vue. Et il y a cherché, il y a là commencé à jouer. Pour ça qui est pour avec gang, nous avons déjà gagné toutes les formations, ça y est, nous circulé déjà. Pour Fantôme 509, il y a circulé déjà, nous avons information, il y a l'autre qui a sorti toujours. Et il y a deux mondes qui ont déjà arrêté déjà. Je nous connais, Abelson Goneg et Raphaël Jean. Nous avons fait nous connaître que le travail de la police là, c'est pour nous la fête. Map, rappelez-nous encore. Sécurité. Ce n'est pas affaire yon groupe monde. Ce n'est pas affaire la police seulement. C'est nous tous ensemble. Dans quel que soit niveau. Et capable de dire quel que soit l'âge. Il y a des formations capables de gagner ou partager avec l'autre monde et la privée côté de l'économie. Merci. Pour qu'on y aille, nous parlons de questions. Nous va faire des autres. Donc modérateur, cap bay moun la parole. Monsieur Emilia, sans travail pour Télévision Nationale d'Haïti. En fait, la police
Sur la question blindé, a été exprimé une opération spéciale dans le village de Kanda. Pour premier, pour que ça nous relie opération en opération spéciale. Deuxième élément, est-ce que nous proposons un cadavre aux policiers? Et puis, ok. Qui va nous pour nous récupérer le cadavre policier si nous ne sommes pas. Merci. Merci TNH pour question. Ouais. N'a fait nous connaître pour question blindée ou posée. Hein. TNH lui-même, c'est une opération, opération spéciale. Parce que blindée, il a des informations, il a abandonné nos zones. Alors, il n'y a pas de aller dans le coup boy scout pour la récupérer. Il a une équipe bien solide qui était pour aller et qui était préparé à toute éventualité pour le récupérer. C'est peut-être ça a été dit, une opération spéciale. Merci, bonjour. Pour ça qui vient pour avec cadavre policier, c'est une préoccupation liée au commandement. Même gens avec famille policière. Nous-mêmes, nous travaillons et nous suivons une bonne pente. Et une fois que la police récupère le cadavre, la presse a informé de sa carte. Est-ce qu'il y a une information cadavre du jour là? On fait des autres. Comment des autres là? Ça va des autres là. Depuis ça. Comment des autres cadavres du jour là? Oui, oui. Mais qui m'a dit? Mais qui m'a cadavre? Mais qui m'a dit? Allez-y. Ok. Merci, Infosco. Jean Oudia, nous-mêmes tous, dans la police là, nous avons des informations qui dit que Luc Dorpierre en vie. Mais selon l'information que nous avons recueillies avec l'autre policier qui était ensemble avec nous, nous arrivons à comprendre que Luc Dorpierre n'est pas vivant encore. Mais nous parlons de dormir sur l'information, c'est un cas particulier. Nous avons cherché l'information. Si la vérité est vraie, Évasion prison pas des bouquets. Vous parlez de avis de recherche. Est-ce que vous quantifiez vous? On disait une vingtaine. Est-ce que vous avez déjà adressé une liste de monde qui évadait dans le prison? Non, d'ailleurs. Et puis, concernant toujours évasion prison pas des bouquets, il y a une lettre publique. Villepès, qui était arrêté dans le cadre d'enquête sur assassinat et maître de l'Orval. À ce qu'il parlait, il a évadé tout. Est-ce que la police confirme l'évasion ça? Il y a également un dossier, le policier Hugo qui mourit dans le cadre dernier événement. Il y a une confusion. Jean-Michel, la police dit que c'est un volet. Dans le pillage, je mouris alors que par un lit et d'autres mondes, les séquelles que c'est à l'eau.
Métropole, merci. Tout ça, c'est pour avec l'évasion prison. Pour les bouquets, nous avons plusieurs détenus qui évadent. Et il y a plusieurs avis de recherche qui lancent. Et selon ça, nous sommes là, c'est une quantité que nous avons déjà fait sortir parce que nous jugeons Mounsayo. Il est très dangereux pour ce sujet. Il y a plusieurs, et dans tout direction départemental, il y a tout avis qui est déjà affiché. Bon, okay, non. Il y a déjà là, sous la sous-mesure, capable d'aller vérifier. Concernant Vilpic, nous sommes capables de faire une formation puisqu'il n'est pas disponible dans nous pour qu'on y aille là. Pour ça, qui est avec Udmo. Policier Udmo, je nous tente de là, après l'envoli, c'est le premier élément de formation que la police a cherché. Parce que quel que soit le policier qui mourit, il est important pour nous. Et ça fait nous mal au défend de nous-mêmes. Nous n'avons pas plaisir dans le policier. Même. Ça fait tout le monde mal dans la société. Il y a des gens qui aiment la police ou bien il y a des gens qui sont policiers. Une fois que un policier est de mourir, ça dérange. Et une fois que vous êtes des policiers, ça a mouru, vous allez chercher information. Premier élément, information qui te joint et qui rete pour nous-mêmes, c'est ça nous qui poste sous page la police. La police a pour devoir, la vérité. Nous pas cap gagner information et puis n'a caché, nous ne disons pas ça. Dernière question. Merci. Merci beaucoup, et madame l'inspectrice. Je vais retourner sur le dossier Udmoa. Bon confusion. La police dit sous Paris que l'agent Mou est un pillage Universal Motors. Udmo sortit notre pour dire fortement pour les Jodia. Et il dit que c'est des individus non identifiés armés. Bon confusion d'armée que vous éclaircissez pour nous. Le deuxième point, c'est ça, le black là, les opérations de la Jodia. Ça lié. Et pour la police là, ça lié, mais madame. Merci. Ok. Je vais dire encore. La police de pour devoir by vérité. Information ou ouais que la police affiche sous page là, c'est ça nous-mêmes nous gagnons comme élément d'information. Nous l'autre cap circulé, nous pas connaître. All black. Nous-mêmes en dans la police là, recommandons pas aucune information sur ça relé all black. Pas aucune unité en dans la police là qui relé all black. Tout simplement en dans opération 12 mars là, nous avons seulement gagné un groupe en backup. Et le groupe en backup, ça, il était pour marcher à pied, pour rentrer dans le village. C'est seulement ça, nous n'avons nous pas aucune unité qui est le hold. Vous savez pas bon, non? Non. Arrestation à Belson. Merci. C'était dernière question. La première, c'est toutes les la presse qui ont fait déplacement pour qu'on fasse jeudi à 21 mars 2021. La passe avec plus de vieux. Merci. Non, madame. Michel,
Je ne sais pas si tu es un homme.